The Beast. The Beast. Ouais. Donc c'est un film muet. C'est très original, il n'y a pas du tout de dialogue, c'est vraiment les musiques qui font vraiment l'ambiance de ce film. En tout cas, un grand bravo à tous les acteurs qui ont un grand bravo, on peut vraiment les applaudir. Voilà. Et encore une fois, aussi à la maquilleuse, travail vraiment remarquable, incroyable. Bah oui, parce qu'il faut dire, le personnage qui était, on va dire, principal et méconnaissable, faut savoir méconnaissable. Avec... Chacun de ces courts-métrages, Pascal, tu as su mettre en valeur et en scène chacun des acteurs et qui t'ont fait confiance. Oui, voilà. Ça c'était pas gagné. C'était aussi un enjeu. C'est toujours pareil, c'est que quand on commence à montrer de la matière, c'est toujours pareil. Dès qu'on a tourné avec certaines personnalités, forcément les gens se sont plus rassurés. Mais c'est humain, c'est logique. Donc, mais après, c'est sûr que quand on commence à avoir un bon carnet, c'est intéressant, mais attention, c'est pas gagné. Mais quand on voit le résultat, on peut dire que vous avez eu tous raison de lui faire confiance. On est d'accord ? On est déjà honoré de vous recevoir. Et on tient surtout à vous féliciter pour ce rôle qui est quand même magnifique, très impactant et quand même hilarant. Donc, qu'est-ce que ça fait aujourd'hui de décapiter Christian Mulot ? Comment vous sentez ? Ah, c'est un plaisir incroyable. Non mais c'était vraiment un tournage très amusant. Il a recollé. Enfin, il a recollé comment là, il sent comment. T'as bien la vérité qu'il n'est pas un procès au cul. Il faudrait. Non, c'est vraiment bien marré. Et puis c'est ce qui est bien, c'est que c'est il est vraiment entouré de potes et ça fait vraiment ça en fait. Il y a cette espèce de feeling où on sent à la maison quoi. Mais ça c'est vrai que pour tous ses courts-métrages, visiblement il a tourné comme ça, il a toujours les mêmes gens qui bossent avec lui et ça fait la grosse différence. Et puis c'est quelqu'un tellement passionné aussi qui arrive à communiquer son énergie et garder le mystère jusqu'au bout parce qu'il y a toujours des surprises, on sait pas où ça va en fait, ces films et ces courts-métrages. Donc on découvre toujours quelque chose, même sur le tournage. Donc voilà, j'ai pris beaucoup de plaisir à le faire. C'est un tueur en série comme ça, c'est toujours rigolo. Et voilà, c'était une belle opportunité. Ouais, vraiment, on a tourné de longues heures et c'est vrai qu'on n'a pas vu le temps passer tellement c'était bien marré. Donc voilà, et puis il est super talentueux. Je pense que c'est bien de soutenir les jeunes en devenir. Voilà, et puis voilà, il commence à gagner des prix avec ses films et c'est génial pour lui. Et j'ai hâte de voir la suite. Du coup, alors la suite, vous y serez ou pas ? Ah, je sais pas s'il m'invite. J'espère. En tout cas, vous avez un très beau rôle. On vous félicite et on est honoré vraiment. Bravo. Merci beaucoup. Alors, dites-moi tout, Catherine. Quel a été le défi de faire un thriller et surtout Souris Muet ? Mais ce n'est pas tellement un défi, en fait. Non, pas tellement. Ce qui m'a plu, c'est de travailler avec Pascal Lastrajoli. C'est toujours... Voilà, c'est ça qui fait toujours que je me décide, c'est le réalisateur. Après, quand j'ai lu le script, je me suis dit que c'est quand même très intéressant à faire.
Voilà, très intéressant. Donc l'émotion parlait d'elle-même, et je pense que vous êtes baignée dans ce thriller. Voilà, en fait, c'est mon métier, quand même. Aussi. Mine en de cas, rien. Bravo, ouais, bravo. C'est gentil. Vous avez été exemplaire, vous êtes exceptionnel, vraiment. Dites-moi tout, Antoine, dites-moi tout. Alors, qu'est-ce que ça fait de s'énerver comme ça pendant une heure, même dans le making-of, on vous voit prendre plaisir? Chez moi, c'est naturel, donc tout va bien. mais ça nous fait marrer. Non, c'est vrai que je suis quelqu'un d'assez énergique et tout, donc la colère, c'est quelque chose qui sort comme ça, tout à fait normalement. J'ai pas besoin d'aller la chercher, quoi. Elle est permanente. Alors, pourquoi ce rôle auprès de Pascal Lastrajoli? Dites-moi tout. C'est venu comme ça, une rencontre. Pascal m'avait contacté pour s'encontrer, faire un autre cours au départ. Je pense que c'était plutôt celui qu'Olivier Marchal. Et puis bon, on a échangé un peu nos relations perso, etc. Et en fait, ça s'est transformé. Je suis parti dans The Beast, ouais. Et puis on a normalement un projet d'un autre cours ensemble. Et puis en espérant qu'après on arrive tous, toute la petite bande de copains en long métrage. Christian, un bonheur. Ben en fait, il est vivant, il est là. Oui, c'était du cinéma, c'était pas vrai. Ben j'imagine, beaucoup de sang mais beaucoup de sentiments. Beaucoup de sentiments et beaucoup de maquillage surtout, une super maquillage sur le film, qu'on félicite. Claudia. Alors, on rétablit la vérité, ce n'était pas du tout de la décapitation, on est bien d'accord? Non, ce n'était pas une décapitation, c'est pour ça que je l'ai fait remarquer tout à l'heure quand tu interviewais David. Hein. Parce que tout de suite, ça fait un peu terrorisme, la décapitation. Non, on ne sait pas ce qu'il fait de moi après. Ça se trouve, il m'a mangé, ça peut être du cannibalisme, on ne sait pas non plus. Hein. Alors, en tout cas, c'était bien fait. Ouais. Et le sentiment d'être mort, quand même, c'est quand même difficile. Non, en fait, j'ai déjà fait un mort, mais surtout au théâtre. Et au théâtre, j'étais mort pendant 30 minutes. Je suis sur scène, assis sur un petit rebord pendant 30 minutes. Et je me souviens de cette époque parce qu'une fois, j'étais malade pendant une semaine. Et quand on est mort, on ne peut pas tousser. Bonjour. Écoutez, alors dites-moi tout, Géraldine. Alors, quel a été le meilleur moment pendant ce court-métrage pour vous? Alors, en fait, c'était un court-métrage extraordinaire. En fait, c'est tous les moments, parce qu'à tous les moments, bah, il y avait des rencontres humaines, du travail. On faisait quelque chose, on sentait que ça allait aboutir à quelque chose, un beau résultat. Pascal était formidable, il nous a bien encadrés, s'est bien dirigé ses acteurs. Et on s'est tous très très bien entendus, à refaire. Alors bonjour Pascal Lastrajoli. On est ravis en tout cas de vous recevoir, réalisateur de ce très beau court-métrage qui a reçu beaucoup de trophées. Hollywoodien, Slovaquie, Grèce, en tout cas on le félicite, vraiment bravo. Merci, c'est très gentil. Bah, merci d'être venu, hein, déjà ça me touche. Alors, ma question première, et comme tout le monde, parce que je pense que je l'ai assez souvent entendu, notamment par les acteurs aujourd'hui, c'est à quand le long métrage? On attend tous ça? Bah, c'est pas le moment. Ben voilà, là on fait une accumulation sur les cours, mon âme n'est pas réceptive pour le moment, mais évidemment c'est l'objectif, là on est en GP2, on va passer en Formule 1 prochainement, je pense dans les 2 ans ça serait impeccable, ouais. Qu'on démarche et on verra ça. Eh bien, écoutez, on espère, en tout cas on serait ravis. On a aussi constaté que tous les acteurs qu'on a vus aujourd'hui, c'était vraiment une belle famille, et la question qui revient, du moins l'information qui revenait assez souvent, c'est Pascal Lastrajoli. On a voulu travailler avec lui parce que sentimentalement c'est une famille, parce qu'on l'aime, on l'apprécie, on l'aime, et on apprécie bien sûr son travail et son talent, ça on le sait bien, et c'est pas du tout nouveau, on le suit aussi et on l'adore, donc c'est vraiment sentimental, hein, je crois, entre vous. Hein. C'est une belle alchimie, de toute façon, moi je peux pas tourner. Moi j'ai l'amour pour les acteurs, j'ai l'amour des gens. Bon, après, évidemment, ça dépend qui, hein, tout est relatif. Passons. Mais c'est vrai que, objectivement, oui, un réalisateur, pour bien diriger, il faut qu'il soit vraiment en alchimie, une belle émission entre son réalisateur et son acteur. Et à partir de là, tout est gagné, quoi. Donc tous les acteurs que j'ai eus, je leur dois tout. Ils ont été exceptionnels à mes yeux. Et on continue à faire vivre ces beaux festivals, enfin, dans de beaux festivals, tous les courts-métrages que j'ai fait jusqu'à présent depuis 10 ans. Ah bah écoutez, en tout cas, bravo. Je tiens juste aussi à dire une dernière chose, c'est que on a tous suivi le film Seven et on a tous eu un coup, en tout cas un coup dur, un coup de massue, où c'est quand même un film très fulgurant. Et moi, de retrouver ce qui m'a vraiment touché, en tout cas aujourd'hui, c'est de retrouver le bruit qui est impactant. Donc effectivement, on est sur un film, on se dit qu'est-ce qui va se passer, on s'y attend, mais on se dit quand même que le bruitage à l'américaine, hollywoodien, je comprends pourquoi d'ailleurs il y a eu l'Oscar, mais en tout cas bravo. Et je me dis que bah, tout le long,
en étant dans le noir, j'ai quand même eu peur et je me suis dit, est-ce que je vais pouvoir sortir aujourd'hui? C'est la question, là vous venez de répondre. C'est qu'en fait, c'est pour ça que je l'ai fait muet. Parce que je voulais justement en 5D qu'on trouve vraiment des ambiances terrifiantes où il y a un gros impact et on capte le spectateur et il bouge plus quoi.